Je te laisse une journée pour te préparer. Demain aura lieu le combat final. Un combat à mort, toi et moi. Le gagnant aura le total contrôle sur cette ville. N'oublie pas, une seule journée. Ça va être très dur, Tobescova, parce que à l'heure actuelle, ton QG est en train de se faire bombarder par mes hommes. Vite, vite, vite! Putain, je suis à fond! Oh, mais comment il fait? Comment il fait pour être aussi puissant? Comment il fait? Réfléchissons. On va y arriver. On va y arriver. On n'est pas n'importe qui. C'est moi qui a créé Agent X. Et c'est moi qui va le tuer. Oh, le bordel! Non! Non! Pas ça! Pas après tout ça! Toutes ces journées de travail! Toutes ces heures! Toutes ces nuits blanches! Toutes ces années de recherche! Toutes ces préparations! Toutes mes robots! Toutes mes armures! Iron X! Hulk Booster! Parti en fumée. Même mon argent, tout ce que j'avais bâti, tout mon empire, tout a été détruit. J'ai plus rien, putain. Je n'ai plus rien. Déjà, je n'ai plus Anastasia, je n'ai plus papa, je n'ai plus rien. Calme-toi, Tom. Calme-toi. On doit rester calme. Allô? Tu n'as plus rien, Tom Escobar. Tu n'as plus rien. Tu dois tout préparer en une journée. C'est totalement impossible. Autant te dire que t'es fini. T'es fini, Tom. Tu vas pas t'en sortir comme ça, je te le promets. Agent X, n'oublie pas c'est qui ton créateur. N'oublie pas qui t'a créé. Laisse la place au plus fort. Tu crois vraiment que c'est ça qui va m'arrêter? Je vais tout donner. Je vais sauver le monde, Agent X. Moi, Agent X, régnera sur cette ville, sur cette terre. Ok, tu veux la guerre? Eh ben on va faire la guerre. Je n'ai pas prêt. Je vais te pourrir la vie. Je vais te finir, Agent X. Tu vas apprendre qui je suis vraiment. C'est moi ton maître. Dans mes combats. Oh, il va me payer. Il va me payer, putain. J'ai une idée. Let's go. Allez, c'est parti. Une nouvelle vie nous attend. Ça va me manquer ici, mais j'ai pas le choix. Fais ça pour le bien de ma famille. Oh, dépêchez-vous là, oh, oh! Voyons, voyons!
Oh, ça va, fermez-la, putain. Déjà qu'on a une journée de retard, ça fait depuis hier que je devais arriver à destination. Oui, excusez-nous, c'est le temps. Allez, dépêchez-vous, là. Enjetez votre billet, là. Oh, amenez votre billet. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Purée. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Oula, vous avez mauvaise mine aujourd'hui. Que vous allez bien, monsieur? Aïe, c'est la vie. Il y a des hauts, il y a des bas, hein. Que voulez-vous que je vous dise? Oui, ok, fermez-la. Je ne sais pas de me raconter votre vie. Ah, ok. Billet d'avion, nom, prénom, passeport, etc. Dépêchez-vous, là. Ryan Johnson, tenez, voilà. Ryan Johnson, destination Liberty City. Oui, c'est bien ça. Le passeport. Par contre, ce que vous allez faire, vous allez éteindre votre téléphone avant d'entrer dans l'avion. C'est une nouvelle règlement, d'accord? Vous étiez né maintenant votre téléphone devant moi. Oh putain, ok, c'est bon, je l'avais mis sur silencieux là-bas, attendez. Allez, hop, hop, hop. J'ai un message, attendez. Oh, dépêchez-vous là. Attendez, s'il vous plaît, 2 secondes. Anastasia, elle m'a envoyé un message il y a quelques heures. SOS, et elle a mis une position. Oh putain, mais qu'est-ce qui se passe? Elle est en danger? Non, c'est pas possible. Qu'est-ce que je dois faire? Ok, votre billet est bon, monsieur, vous pouvez embarquer. Oh, mais il est où? Ah, oh, monsieur, revenez. Oh. Oh, revenez! Faut que je me grouille. Putain, j'espère que je vais pas arriver trop tard. Allez, vite, 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 vite! Je vais appeler un taxi. Salut bébé, c'est moi, Tom Escobar. Ouais, Tom Escobar, qu'est-ce que tu fous là? Ouais, c'est bien moi. Ouais, je m'en fous là, tu veux quoi? Tu m'as reconnu sur les réseaux sociaux, sur le Darknet. Et alors, tu veux quoi? Qu'est-ce qu'il y a, bébé, ma poule? M'appelle pas bébé déjà, je te le dis. Waouh, t'as ma plainte sur le visage, qu'est-ce qui t'arrive? Ça te regarde pas, file-moi l'argent déjà maintenant au lieu de me raconter ta vie là. Comment ça l'argent maintenant? Je t'ai dit d'abord je finis le boulot et après je te paye. Comment tu veux que j'ai de l'argent si je peux pas bosser? J'ai besoin de ce putain de QG pour bosser! Tu comprends pas ou quoi? Mais je m'en bats les couilles que tu peux pas bosser! Et ben moi j'ai besoin de la thune maintenant, je vais pas me répéter 100 fois! Écoute-moi, pot de peinture, putain de merde! Mais qu'est-ce que tu dis toi, pot de peinture? Tu vas voir où je vais te la foutre, la peinture? Le monde est en danger! J'ai pas le temps pour des conneries, j'en ai rien à foutre de l'argent! S'il faut te payer des sommes et des sommes, je paierai! Dis ton prix, vas-y là! Dis ton prix! Arrête de piailler là! Mon prix? Tu veux mon prix? Eh bah ben, c'est un putain de million de dollars, mon prix, voilà. $1 million? Eh ouais, $1 million en cash. Ok, tu veux donc pas que je te paye après? Non. Et si je te dis je te paye après et je te donne le double, voire le triple, parce que j'en aurai de l'argent, crois-moi. Non, mais c'est mort, c'est mort. C'est maintenant ou rien. T'as cru que je t'éconne ou quoi? Mais laisse-moi ce putain de QG, j'ai besoin! Oh, mais crie pas, là, tu me donnes mal au crâne, on se détend, on se calme, tranquille. J'ai besoin pour sauver le monde si tu me donnes pas ce QG! Bah moi aussi j'ai besoin de l'argent, c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Alors y'a des gens sur en liste d'attente là, donc tu me fais pas chier, tu me files les 1 million maintenant ou tu dégages. On se parle beaucoup sur le Darknet, etc. Je t'ai rendu plein de services, je t'ai aidé sur beaucoup de choses là. Mais je m'en fous là, y'a de la putain de cam de technologie derrière, je suis pas là pour négocier. T'as cru que c'était la brocante ou quoi? Je suis en galère là, c'est 1 million ou c'est rien? Ouais mais c'est la galère, j'en ai rien à foutre moi. Mais t'en as rien à foutre? Eh bah vas-y, casse-toi alors. Putain, ok. Ce soir, t'auras tes 1 million de dollars. Bah t'as intérêt parce que je vais pas atteindre 100 ans et sois à l'heure. T'inquiète pas, je serai à l'heure. Et toi aussi, hein. Tiens ta parole, veux le QG avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, bah pour ça, il me faut les 1 million de dollars. Et t'as pas intérêt de me prendre pour une conne, je te le dis. Fais gaffe à ta gueule, par contre, hein. Et toi, fais gaffe à ta gueule, me donne pas d'ordre ou tu vas finir dans les chiottes. Tu me mets à l'envers, je vais te retrouver et je vais te fracasser. Dégage, là, tu fais quoi? Ce soir, là, hein. Ouais. À ce soir, ouais, avec ça, ouais. Les 1 million de dollars. Petit con, va. Cognasse. Tout est bientôt prêt. Toute la ville sera sous mon contrôle. Je remplacerai tout avec ma technologie. Avec ma puissance, je serai tout en haut. Mon but, c'est de transformer l'humanité en robot. Avec une intelligence artificielle. Car l'être humain est complètement débile.
ma belle Elena. Comment vas-tu? Ça va, boss. Je viens de terminer de peaufiner les derniers paramètres des humanoïdes. D'après les derniers tests, tout est bon. Ils sont enfin à la pointe de la perfection. Aucune erreur n'a été détectée. Demain, tout ça nous appartiendra. Tout ça, on aura le contrôle total. On va frapper ici. Pourquoi pas aujourd'hui? Je viens de vous dire qu'ils sont enfin prêts. On n'a plus besoin de patienter. Le pouvoir n'attend plus que nous. Non, Elena, on ne peut pas attaquer maintenant. Il y a encore Tom Escobar. Je dois le détruire avant. Car je ne peux pas prendre le risque de lancer le missile nucléaire et que Tom Escobar démarre et fait tout tomber à l'eau. Je dois m'assurer avant qu'il est bien mort. Tom Escobar, une arnaque. Son règne aura duré aussi longtemps que sa courte taille. Même pas capable de garder le contrôle sur vous. Au final, tant mieux. J'ai l'impression que notre équipe fonctionne mieux que celle qu'il a tenté de former avec vous. Ridiculisé, si je peux me permettre. Il est devenu faible. Il n'a plus rien. Je lui ai laissé une seule journée par respect pour se préparer. Mais il me rattrapera jamais. Je suis trop avancé comparé à lui. J'ai presque failli avoir mal au cœur quand j'ai vu le visage du petit homme se décomposer. Quand vous lui avez annoncé qu'il n'avait plus de QG. Puis, je me suis souvenu que je ne ressentais plus rien. Elena, je ferai de toi la meilleure. Si on réussit à atteindre notre objectif, tu seras la meilleure. Je ferai de toi mon bras droit, mon second. C'est toi qui donneras des ordres quand je serai en repos. C'est toi qui dirigeras la ville. Donc, tâche de ne pas me décevoir. Voyons, boss. Je ne vous ai jamais déçu. Vous savez très bien que vous pouvez me faire confiance, même une fois votre système en veille. Toutes ces humains, comment ils sont devenus? Ils sont mieux comme ça. C'est des humanoïdes maintenant. J'ai tout simplement hâte de voir la vermine humaine prendre fin et de pouvoir imposer notre mode de vie. Vous savez, après tant de préparation, boss, tout finira enfin par nous sourire. Au final, nous n'avons plus besoin d'être dans l'ombre. Au contraire, c'est une bonne chose. Je fais ça pour eux. Ils pourront vous remercier quand ils se rendront compte que c'est un service que vous leur donnez à cette bande d'incapables. Exactement, Elena. Ils nous remercieront plus tard. Enfin, bref, passons. On va faire les derniers réglages pour le lancement de demain. Viens avec moi, Elena. On va apprécier ce moment ensemble. Les humains ont tendance à contrôler la technologie. Aujourd'hui, on va leur montrer que c'est nous qui les contrôlerons. $1 million, $1 million. Où est-ce que je vais trouver ces $1 million? Elle est complètement folle, cette meuf. Après tout ce que j'ai fait pour elle, j'espère qu'un malheur va s'abattre sur elle. Connasse. $1 million. Putain, j'aurais pas dû mettre à l'envers Rémi. Il aurait pu m'aider, là. Ouais, je peux aussi demander à mon papa le président, mais non, je peux pas aussi. Il a des problèmes et je peux pas me permettre de lui foutre encore dans la merde. On a galéré à le remettre président. Ouais, mais le monde est en danger, là. On n'a pas le choix. Mais vraiment, il n'y a que Rémi comme solution. C'est compliqué. C'est peut-être pas encore trop tard. Je vais essayer de l'appeler. J'espère qu'il va me répondre. Oh, je sais pas, j'ai peur, putain! Il va m'engueuler, c'est sûr! Il va jamais accepter! Bon, on n'a pas le choix. On va essayer de négocier avec lui. C'est parti! Rémi. Voilà! Allô, tonton Rémi? Oui, c'est qui? C'est moi, Tom, ton neveu! Putain, je n'ai plus de neveu, moi, casse tonton, qu'est-ce que tu me veux? T'es jamais oublié, tu me l'as mis à l'envers, Tom, je te déteste! T'es plus mon neveu, je suis plus ton oncle! Tonton Rémi, j'ai besoin de toi, si urgent, est-ce que je peux te voir? Laisse-moi au moins m'expliquer! Non, à moi tu me ramènes tout mon argent, c'est ça? L'argent que tu m'as pris? Hein? Je croyais qu'on était associés! T'es comme les autres, la fille de pute! Non, mais fais-moi confiance! Tonton Rémi! Laisse-moi venir te voir, s'il te plaît! J'ai une surprise pour toi et j'ai une bonne nouvelle! Ouais, c'est ça, ouais, si t'as pas mon argent, ça sert à rien, Tom! Allez, s'il te plaît! Laisse-moi au moins une chance! Je te promets! J'ai quelque chose de lourd pour toi, tonton! J'ai quelque chose de lourd! Ah ouais? Ok, je t'envoie une pause et viens me voir! Ouais, merci, j'arrive!
Ok, ça a marché. Maintenant, à voir s'il va accepter. Je sais pas ce que je vais inventer encore, mais il faut que je trouve quelque chose. Je peux lui dire que je suis parti investir tout l'argent et que ça va nous rapporter le triple, voire plus. Et ouais, ça m'étonnerait qu'il va y croire, mais qu'il tente rien à rien. Allez, let's go! Wouhou! Ma petite Porsche est tombée en France entre nous! Taxi, taxi, s'il vous plaît! Merci, merci. Avancez, avancez, un peu plus devant. Oh, mon petit, tu m'as l'air très stressé, qu'est-ce qui va pas? Je crois que j'ai fait l'erreur de ma vie. Ah oui, qu'est-ce qui va pas? Raconte-moi tout! S'il vous plaît, accélérez. Oui, mais on a le temps! J'ai abandonné des personnes à qui je tiens le plus au monde. Ah oui, mon enfant! Faut pas faire des choses comme ça! Tu sais, j'ai commis la même erreur que toi, à l'époque. Ah oui? Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ah, regarde-moi! Je suis seul au monde maintenant! Je vis qu'avec mon taxi! Donc si tu ne veux pas finir comme moi, rattrape-les, mon enfant! Rattrape-les avant que ça soit trop tard! Justement, déposez-moi ici! C'est ce que je vais faire! Je vais les récupérer! Merci! Y'a pas de quoi! J'ai fait l'erreur! Pourquoi je les ai laissés? Tom avait raison, ils sont en danger! Comment j'ai pu faire ça? La vie m'avait donné une nouvelle chance encore une fois. Mais non, il fallait que je reste sur mon passé. Non! Alors que j'avais l'occasion de changer ma vie. Et changer la vie des personnes que j'aime. J'espère que je vais pas arriver trop tard. Réponds, putain, réponds! Réponds, Anna! Elle répond pas! Allez, il faut vite que je vais à la position! Anna, j'arrive! Nous voilà arrivés! Oh non, c'est encore Corinne, la folle! Putain, je comprends rien à ce qu'elle dit tout le temps! Allez, on va y aller, on va faire comme si rien n'était! Hé, hey, Corinne, c'est moi, Tom! Ça va ou quoi, bébé? Ça va, Gachili, Mimi! Warazeki, Akimi! Womoi, Tsukou, Agri! Machubi, Rimi! Usuwa, Akenai, Yamiti, Kudasai, Yoroni! Ochite, Kumori, Nai! Ok, ok, pas de soucis! Rien compris ce qu'elle a dit. Waouh, papa, mais il se met bien le petit Rémi. Donc on a des one second de la hora. Oui, j'arrive, je vais faire le petit tour, je regarde. Waouh, cette voiture doit valoir une fortune. Ah papa, il est refait. Et après il dit qu'il a des problèmes d'argent, mon cul, oui. Oh là là. Bon allez, on va partir, sinon l'autre va gueuler encore. Nani ? J'arrive ! Ah là 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 là, ça va Corinne ? T'es bien, hein ? T'es cool, hein, l'ascenseur, hein ? Ça monte, ça descend. Youhou ! Tu veux que je te chante une petite chanson ? Maman doit, où es-tu ? Je suis là, je suis là. Comment vas-tu? Guili, 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 guili. Je savais qu'entre toi et moi, il y avait quelque chose, Corinne. Guili, 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 je suis là, guili, 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 guili.
sol. Waouh! Mais c'est incroyable cet appartement, Corinne! Mais putain, il se met trop bien, le vieux! Waouh! Je vais bientôt racheter tout ça, tu vas voir, ça va m'appartenir tout ça! Ça va être à Tom Escobar! Papa! Ouais. Déjà, il faut que j'arrive à avoir 1 000 000 $. C'est pas gagné, moi je vous le dis, hein! Putain! Un appartement en haut d'un immeuble! On aura tout vu avec Rémi! Tom, comment oses-tu revenir me voir? Je pensais pas que t'allais venir, Tom. Alors, t'avais dit qu'un jour on allait se retrouver. Tu m'as rien dit du tout, tonton Rémi, je t'ai bien niqué ce jour-là. Oh, ta gueule! Alors, qu'est-ce que tu me fais, putain de bordel de merde? Pourquoi t'es là? C'est quoi ton projet? Et dépêche, parce que moi, j'ai plus le temps avec toi, avec tes conneries. Je t'avais tout offert, putain de merde, Tom. Je t'avais tout offert, tout sur un plateau d'argent. Ben écoute, Rémi, déjà, tu peux pas tout offert parce que moi aussi, j'ai participé, hein. Participé pour tout niquer après. Tu m'as foutu dans la merde avec Rodriguez. Tu as pensé à ça? On avait une empire bâti ensemble. On allait tout niquer, toi et moi, Tom Escobar. Hein? Je te faisais confiance. Tu m'as trahi. T'es qu'un fils de pute. Comme ton père. Oh, parle pas comme ça de mon père, tonton Rémi. Putain, je suis désolé, tonton. J'ai une proposition pour toi. Dis-moi, c'est quoi ta proposition? Dépêche-toi, j'ai pas que ça à faire. J'ai un camion de Brinks qui arrive, là, pour une livraison. Explique-moi ce que t'as fait de mon argent. Alors, figure-toi que l'argent que je t'ai repris, c'était pour le réinvestir pour avoir le trip, tonton Rémi. On va être multimilliardaires, toi et moi. Comment ça, développe? Mais j'ai trouvé un putain d'entreprise. On va se faire de l'oseille, toi et moi. Je te le dis. Mais pour cela, il me faut 1 000 000 $ pour débloquer tout l'argent qu'il y a là-bas. Quoi? Attends, t'es en train de me dire que déjà, t'as repris tout mon argent, ensuite tu vends encore les 1 000 000 $ pour débloquer l'argent que t'as investi? Mais c'est quoi cette histoire? T'es en train de me prendre pour un con? Non, mais ça paraît fou, mais crois-moi, tonton Rémi, c'est la vérité. Je te promets, s'il te plaît, tonton Rémi, crois-moi. Donne-moi les 1 000 000 $, je te promets. Ça faisait partie de mon plan. Ouais, c'est ça, toi et Anastasia. Vous êtes pareil, vous m'avez trahi. Je vous déteste. Non, mais moi et Anastasia, c'est fini. C'est des histoires anciennes, ça. Les filles dans le business, ça passe pas, tonton Rémi. Non, Tom, t'auras rien. T'auras rien du tout. C'est fini, toi et moi. Je voulais te le dire en face. Là, j'ai l'occasion. Parce que quand tu m'as pris mon argent, hein, tu m'as frappé. Hein, je me souviens très bien, je me rappelle très bien ce qui s'est passé. Donc maintenant, tu vas te faire enculer, toi et toi, Anastasia. Ok? Nani? Elena, je te présente enfin Destructor X. L'arme la plus puissante que j'ai jamais réalisée. Une seule attaque pour détruire tout le Sentence et remplacer la ville par ma technologie. Regardez-moi ce bijou. Il attend simplement son heure de gloire, tout comme nous. La gloire, le pouvoir, tout ça va être pour nous. Tout ce que Tom Escobar a toujours voulu faire, mais n'a jamais eu les couilles d'aller jusqu'au bout. Heureusement que je suis devenu autonome et que j'ai réussi à avoir du vibranium. J'ai hâte de l'exploser. Boss, il faut qu'on établisse une heure et un point pour que je puisse admirer le spectacle. Le lancement se fera demain soir. On ira tout en haut de la Maze Bank pour admirer le spectacle. Vous serez à mes côtés, n'est-ce pas? Tant que tu resteras à mes côtés, rien ne t'arrivera. Cette fois-ci, la victoire est pour nous. Elle est pour nous.
T'es vraiment un connard, putain, Rémi. Et l'autre Corinne, elle se prend pour qui? Mais t'inquiète pas. Tu vas voir, Rémi. Alors comme ça, t'attends une livraison. D'un camion de Brinks. Ok, très bien. Je vais attendre sagement ici. Quand le camion de Brinks fera diversion, je m'infiltrerai à l'intérieur. Et je vais voler ta voiture, là. Hein, ta Z-type, là, qui vaut des millions et des millions de dollars. Ouais, c'est comme ça, je vais me faire de l'oseille. Mais le problème, c'est que c'est beaucoup sécurisé. Y a même un garde devant. Mais j'ai ma technique. Au cas où, si ça part en couille, j'ai un contact qui va m'aider. J'espère qu'il sera là, putain. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Il faut qu'il soit là au bon moment, quand j'aurai besoin de lui. Mais déjà envoyé la pause où il faudra me rejoindre. Pitié, sois là! Si t'es pas là, suis mort! Mais bon, ça va le faire. J'ai confiance en lui. C'est mon gars sûr! Mon frérot! Ça va pas tarder à arriver, là. Toujours en train de recevoir des fonds, ce trou du cul. Il a jamais assez d'argent! C'est bientôt le moment. On va s'infiltrer et voler sa putain de voiture. J'avais besoin qu'un million de dollars, Rémi. Qu'un million de dollars. T'as refusé? Eh ben maintenant, ça va être ta voiture qui vaut des dizaines de millions de dollars. Je vais attendre qu'il rouvre le garage. Let's go! On va y aller tranquille. Ça sert à rien de stresser, Tom. Il rouvre le garage. Parfait. Je crois que c'est bon. C'est le moment. Ils sont en train de signer les papiers. Ils regardent pas le garage et c'est pas encore fermé. C'est maintenant ou jamais. Go, 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 go. Come on, come on. James Bond. Hop. Voilà, c'est bon. C'est bon, je suis à l'intérieur. La voiture est là-bas, au milieu. Il va falloir le crocheter. Mais pas de soucis, j'ai ce qu'il faut dans mon sac. Il est quand même belle, la voiture. Enfin, c'est pas trop mon genre, mais... Elle est toute en or. Waouh. Je l'aurais bien gardée. Oh. Déjà fini ce connard! Allez, casse-toi là! Ok, c'est bon, c'est maintenant! Let's go! Allez, faut que je me crouille! J'aurais piraté le système électronique! Mais bon, cette voiture, le problème, ce n'est pas électronique! Mais mécanique! Et vous savez, c'est des vieilles voitures, hein. Hop, encore deux, trois petits trucs. Et voilà, c'est bon. Oh, merde. C'est pas que j'aime pas, mais je t'apparais. Ok, c'est parti, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, Thomas Cobain, le retour! Rémi, je t'ai niqué! Oh putain de merde, les flics! Wouh! Oh non, c'était sûr ce qu'on a appelé les Koundés! C'est pas grave! Je suis devenu un pilote! Wouhou! Et
essaie de me suivre, connard. À toutes les unités, un code 824 sur l'autoroute A2 au kilomètre 23. Ne vous inquiétez pas, j'ai mis un rehausseur. Je vois très bien la route, hein. Allez, il faut que mon contact soit à l'heure. Je compte sur lui. Oh putain, il y a un hélicoptère maintenant. Enfin, retourne à ta place, en cage. T'inquiète, ma belle Anna. Je m'arrangerai pour que tu aies ton propre cirque. La cage te va si bien. T'as l'air tellement fière de toi. Fière? Le mot est faible. Je suis sur le point de bâtir un empire, ma pauvre. Et regarde-toi comme une vulgaire merde en train de suffoquer au sol. Sache que ton maman tout se paye, Elena. Trop facile de s'attaquer à quelqu'un qui est déjà à terre. Dans tous les cas, en ce moment même, tu es à mes pieds. Dommage que la grille nous sépare, j'aurais aimé marcher sur le doigt. Je te reconnais même plus. C'est comme si c'était même pas toi. Après tout ce qu'on a vécu, Elena, c'est comme ça que ça va se finir. Oh. Peut-être que pour toi c'est la fin, mais pour moi, ma très chère Anna, c'est seulement le commencement. Oh, mais c'est que la petite essaye de se tenir sur ses deux jambes. D'ailleurs, ta cicatrice te fait pas trop mal? T'es cruelle. J'espère que tu pourras dormir la conscience tranquille. Oh, Anna, s'il te plaît. Je dors très bien la nuit, merci de t'inquiéter. Par contre, le sol m'a l'air moins confortable. Diable, Elena. Ah, voilà le boss. Je te laisse voir avec lui si tu as des questions. J'ai du temps, mais pas pour toi. C'est donc toi la petite protégée de Tom Escobar. Mais c'est dommage que bientôt tout soit terminé pour lui. Où est passé Tom? Dites-moi qu'il va bien. Demain, je vais m'occuper de lui. Il va mourir. C'est qu'un gamin, bordel. C'est peut-être un gamin. Mais ce gamin peut foutre en l'air tous mes plans, donc je ne prendrai pas ce risque. Tom Escobar va mourir demain. Mais d'où est-ce que vous sortez? Et vous êtes qui? Je suis qui? Mon nom, c'est Agent X. Et bientôt,
ce monde m'appartiendra. Mais ça veut dire que tout ce que Tom me racontait depuis le début, c'était la vérité. Regarde-toi de toi. De base, tous ces robots, c'était tout simplement des humains. Grâce à moi, ils sont devenus plus forts. Des humanoïdes. Et tu sais quoi? C'est à ton tour de devenir comme eux. Saisissez-la, ramenez-la dans le labo et faites ce que vous avez à faire. Non! Laissez-moi voir Tom! Je vous en supplie, laissez-moi le voir! M'emmenez pas là-bas! Lâchez-moi, ne touchez pas! Ok, c'est ici. La pause me ramène jusqu'ici. On dirait une mine. Une mine abandonnée. Ouais, en même temps, une mine, ce n'est pas habité. Enfin, je pense. Pourquoi elle m'a envoyé SOS ici? Et son téléphone est éteint, j'ai l'impression. Anna? Elle est peut-être enfermée à l'intérieur. Anna? T'es à l'intérieur? Attends, je vais te sortir de là. Putain. Allez. Anna, bouge pas, j'arrive. Putain, mais comment... C'est trop dur. Bouge pas, Anna, je vais te sortir de là. J'ai une idée. Tu veux résister? Attends, on va voir. On va voir si tu vas résister maintenant. Ah, voilà. Oh, 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 oh putain. Oh putain, c'est quoi ça? Oh. C'est quoi cette merde? Oh. Mais je rêve. On dirait des lasers. Oh non. Oh, oh putain. Oh. Je dois me barrer d'ici. Non, je peux pas partir. Et si c'était eux qui ont emprisonné Anna? Je dois faire quelque chose. Oh putain, ça ne fait rien. Ça fait rien du tout. C'est des robots, ils sont en ferraille. Y'a rien à faire. Faut que je réfléchisse. Calme, tout doux, tranquille. Ok, y'a pas de problème. Je coopère. Non, doucement, non, doucement, tu peux ranger ça, y'a pas de problème. Écoutez, je veux juste récupérer ma meuf et mon fils, il est là aussi. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Ils ont l'air d'être perturbés par la pluie. Ah. Attends. Ça a pas l'air trop d'aller pour vous là. Oh.
Mais c'est quoi cette merde? C'est donc l'eau leur point faible. Ok, j'ai une idée. J'ai un extincteur ici. Ok, Tom et Anna, j'arrive. Ça donne la chair de poule. Tom ? Anna ? Vous êtes là ? Y'a quelqu'un ? Putain. Oh oh ! Putain, mais vous êtes combien, putain de merde ? Putain, fils de pute ! Allez, au suivant ! Mais qu'est-ce qui se passe ? On est dans Star Wars là ou quoi ? Anna ! Faites-moi un signe ! Où êtes-vous ? Et voilà, Abdouloulou, t'es au courant de tout maintenant. T'es au courant de tout. Ah, donc en fait... T'es en train de me dire qu'Agent X, il est bien de retour, c'est ça ? Il est de retour, ah, et beaucoup plus fort, beaucoup plus déterminé. Il veut ma peau. Bah dis donc, à ton âge, t'es toujours dans les problèmes, hein, Tom. Oui, je sais, je suis toujours dans les problèmes, mais sauf que là, je dois régler ces problèmes comme un grand. Toi, Abdul, je sais que maintenant, t'as tes enfants à les faire grandir. Donc occupe-toi d'eux, et en fais pas pour moi, je m'en sortirai. J'aurais bien voulu t'aider, mais j'ai beaucoup de choses à faire à côté. Mes enfants... Chamaille, ils s'entendent pas, ils font de la merde. Je suis pas sorti de l'auberge. Regarde-moi. Je m'inquiète pas pour toi, Abdouloulou. Tu t'es occupé de moi comme un papa, comme un grand frère, on va dire. On a commencé les 400 coups ensemble. Et je sais que tu seras toujours là pour moi. Mais là, aujourd'hui, le monde a besoin de moi. Pour une fois, c'est pas le pouvoir que je veux, mais ramener la paix dans ce monde. Je peux t'aider, hein? Comme au beau vieux temps. Je sais que tu peux m'aider, mais non, Abdouloulou, c'est à moi de le faire, comme un grand. Ah là là, je me rappelle encore à l'époque. Avec ton père là, le président. Quel escroc celui-là. D'ailleurs, il est beaucoup occupé avec ses papiers et tout ça. Et comme il a repris le pouvoir, j'ai pas envie de le refoutre dans la merde. Mais voilà, si t'as besoin de quelque chose, n'hésite pas. Tu peux toujours compter sur moi, hein, Tom. Hein ? T'es comme mon petit frère. T'inquiète pas, Abdul. T'es mon frérot. Tu resteras dans mon cœur. À la prochaine. Ah oh, putain, salopard. Putain, mais quel trou du cul, t'as pas changé, Tom. Putain, casse-toi avant que je me... Nico, ça change con, pas. T'es toujours un gros vraiment, bâtard. T'es vraiment un bâtard, vraiment. T'es un gros bâtard, Nico. C'est moi le boss. J'ai pas besoin de toi pour te faire enculer, Nico. On change pas une équipe qui gagne. Wesh meuf, c'est bon, je suis à l'heure. Ouais, 6 minutes de retard, trop bien, c'est déjà trop. Mais il est où l'argent? T'inquiète pas, l'argent est là. Attends, tranquille, tu me fais pas la bise avant, hein? Non, je te touche pas, moi. Allez, passe-moi le fric, dépêche. Ok, l'argent? Ouais, l'argent, allez, oui. C'est dans la voiture, là-bas, là. Dans ta caisse? Ouais, vas-y, suis-moi. Ouais, je te suis. Tada! Ouais.
Et ? Bah, c'est ça l'argent, c'est la voiture. Hein ? Tu te fous de ma gueule ? Non, je rigole pas, c'est ça l'argent, putain de merde, c'est une voiture, c'est une Z-Tips, elle est unique au monde. Une quoi ? Tu peux la revendre au moins à 10 millions de dollars, putain ! Elle est incroyable ! Mais putain, maman dans ta face aussi, elle est unique au monde, là, passe-moi l'argent ou je me casse. Mais j'ai pas eu le temps de la revendre, mais dis-toi que tu vas avoir 10 millions de dollars ! Je m'en fous de ta caisse, ce truc, je sais pas, de merde. Moi, je t'ai demandé 1 million de dollars. T'avais qu'à la revendre et me passer l'argent. Mais tu te fous de moi ou quoi? T'as mis des jantes en plastique avec des dollars. Allô? Ça vaut rien, ton tas de ferraille, là. Comment ça, c'est un tas de ferraille? Putain, c'est toi, la tas de ferraille. T'as vu ta gueule? T'as dit quoi, là? Répète pour voir. Pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais je te jure, cette voiture appartient à un milliardaire. Il a mis toute une fortune là-dedans. Mais je m'en fous, putain, du milliardaire. Moi, je veux les 1 million de dollars. Je te jure, tu peux retirer minimum, je te dis bien minimum, 10 putains de millions de dollars. Alors ? 10 millions de dollars. 10 millions, t'es sûr de toi, là, 10 millions. Allez, fais-moi confiance, s'il te plaît. Je sais pas, putain, j'espère que t'es pas en train de m'arnaquer, là. Putain, j'ai vraiment besoin de ce QG, allez, là. Ok, c'est bon, je te la prends. De toute façon, je connais l'adresse, tu me la mets à l'envers, je te préviens, tu vas crever. Voilà ! Là, tu me fais plaisir ! Ouais, c'est ça, allez. Tiens, voilà les clés ! Vas-y, donne. Allez, suis-moi, je vais te montrer le QG. Ok, je te suis ! T'as perdu un peu de cul, non ? T'as dit quoi ? Ah ah, je rigole ! Ouais, ça, ouais, c'est pas du cul que tu vas perdre, toi, tu vas voir. Ok, QG impénétrable, détection biométrique de la pupille, du visage, enregistrement de ta voix, scanner d'authentification des empreintes digitales, putain c'est un bijou technologie intuitive, je te dis, il y a quelqu'un qui essaie de forcer la porte, il se fait bombarder. Waouh ! Et voilà ! Attends, c'est ça le QG ? Je m'attendais à quelque chose de plus lourd ! Hein ? 1 million de dollars et tu me dis que c'est de la merde ? Bah tu m'avais dit, il y avait toutes les gadgets. Mais il y a tout ce qu'il faut, putain, t'as vu les PC ? Il y a même une imprimante 3D dernière génération, eh ouais. Ouais, une imprimante 3D de mon cul, oui, tu te fous de ma gueule ? T'appelles ça une imprimante, toi ? Bah ouais. C'est pour imprimer du plastique, ça, putain de merde ! Mais j'ai imprimé mes prothèses avec ça, crois-moi que c'est du solide, je te le dis. Ouais, bah je vais imprimer une nouvelle gueule pour toi pendant qu'on y est, hein ? Hein ? Mais tu te fous de ma gueule ou quoi ? Non, ok, je rigole, tranquille. Attends, faut que je réfléchisse, là, j'hésite maintenant, putain, j'aurai jamais assez. Faut que je réfléchis. Voilà, ça te va là ou ça te va pas? C'est soit ça ou soit rien. Ok, j'accepte. Voilà, ça c'est une bonne affaire. Ouais, c'est ça, ouais, je t'ai mis bien 10 millions de dollars pour un QG comme ça, mais bon. Ouais, bah 10 millions de dollars, on en reparlera quand je l'aurai vendu ta caisse. Ouais, c'est ça, allez, casse-toi. Bon. Ça va être très compliqué, hein. Je m'attendais pas à un QG aussi pourri. Bon, il est stylé, mais c'est pas à ma hauteur. C'est pas avec ça que je vais vaincre Agent X. Y'a pas assez de matos, y'a pas assez de fourniture. Comment je vais faire pour rebâtir Iron X? Dans tous les cas, j'ai pas le choix. Je vais tout donner. Je dois le faire. Je dois le faire. Et je peux le faire. T'inquiète pas, Iron X. Tu vas revenir au monde. Faut pas oublier qu'Agent X est en vibranium. Et là, je vais devoir utiliser du plastique pour toi, putain. Bon, allez, on va essayer d'augmenter toutes les doses. Hop. Voilà.
Il est très petit. Putain, non seulement il est petit, et en plus il est en plastique. Bon, il a toujours la force à l'intérieur, mais jamais il va résister. Agent, il va faire qu'une seule bouchée de moi. Putain, il faut que je trouve une solution. Réfléchis, Tom. Tu dois avoir une arme secrète quand même, putain. Mais non, tout était dans mon QG. Non, tout était dans mon QG. Enfin, presque tout. Hein? L'œuf. L'œuf du dinosaure que j'ai volé à Caio Perico. Et si j'arrive à lui donner la naissance? Enfin, c'est pas moi qui peux. Il n'y a qu'une seule personne qui peut lui donner la naissance. Et cette personne, c'est... Grincha. Hein? Grincha peut m'aider. Mais oui. Enfin, j'espère. Je sais que Grincha sait faire des potions. Il en a déjà utilisé sur moi. Et ça marche. Et s'il utilise une potion magique pour accélérer la procédure à l'œuf, ça peut être incroyable. Je vais aller récupérer l'œuf. C'est chez mon père. Et après, il faut que j'arrive à le convaincre. Il doit faire alliance avec moi pour vaincre Agent X. Putain, je vais jamais trouver le bout. C'est quoi ça encore? Ça fait des heures que je marche, mais toujours rien. Toujours rien. Aucun signe d'Anastasia ni de Tom. Anna! Tom! Faites-moi un signe! Dans quel pétrin je me suis mis encore? De toute façon, j'ai un don pour ça. Chaque fois, je me retrouve là où il faut pas. C'est un truc de ouf. Ces putains de robots, mais c'est quoi cette histoire? Tom m'avait parlé de ça! Quand je pense, je croyais qu'il avait tellement d'imagination qu'il inventait tout ça. Mais non, mon bébé, il avait raison, mon petit bébé. Il m'a pas menti. T'inquiète pas, Tom, je vais te retrouver. Je vais te retrouver. Même si vous traversez le monde pour vous retrouver, je le ferai. Même s'il faut donner ma vie, personne ne touche à ma famille. Hein? C'est quoi ce bruit? Oh putain! Ces machines, j'ai jamais vu ça de ma vie. De quoi ils sont capables encore ces putains de machines? J'ai pas envie de me faire tirer dessus. Hein? C'était des lasers, maintenant ça va être quoi? Ça va tirer quoi maintenant? Des aliens? Putain de merde! Scan en cours. Humaine. Anastasia Adamski. Taille 1m63. Poids 62 kg. L'humaine semble bien se porter. Réagit à toutes circonstances. Transportation. Constatation. Constellation. Quelques légères pertes d'équilibre. Suite à la cryolipose. Nous sommes obligés de geler. Transplantation. Aucune séquelle n'est constatée. L'humain est endormi. Procédure de transformation humanoïde pour Madame Anastasia Adamski.
dirait encore le robot que j'avais vu tout à l'heure. Sauf qu'il parle, celui-là, je comprends ce qu'il dit. Injection du sérum dans 5 secondes. 5, 4, 3. Non ! Tu vas rien injecter, mon gars ! Putain, Anna. Anna, c'est toi. T'es là, je t'ai retrouvé enfin. Oh non, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Réponds-moi, Anna. Réponds-moi. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, putain de merde? Je suis là maintenant. Personne ne va te toucher. Tu respires encore. Je vais t'amener avec moi. Mets tes habits, je vais te sortir de là, et on va retrouver Tom. Viens avec moi, Anna. Je vais me venger. Oh, putain, encore. C'est la guerre. Putain, quand je pense qu'à l'époque, on m'appelait El Diablo. Et maintenant, je suis en train d'asperger des putains de robots avec un putain d'extincteur. Mais pourquoi pas? S'il faut le faire pour sauver ma famille, ben je le ferai. Tom, t'es où? Ils sont combien? Non, je vais te sortir de là, Anna. Je vais te sortir de là. J'ai été égoïste, j'ai pensé qu'à ma gueule. Aujourd'hui, j'ai prouvé que j'ai changé et que je veux une famille. Je veux vivre quelque chose d'unique avec vous. J'ai pas envie de gâcher tout ça, donc je le ferai. Je retrouve un Tom. Ok, Anna, je vais poser à terre. Bouge pas. Allez, ramène-toi. C'est tout ce que t'as dans le ventre. Ramène-toi, je suis là. Ouais, je suis là, derrière. Oh, t'es invincible, non? Tiens, prends ça, fils de pute! Où est mon fils? Il y a peut-être une autre manière de les vaincre. Et cette solution, c'est de combattre l'ennemi avec ses propres armes. Ça a marché. Voilà. Allez, on va essayer de retrouver toi, Anna. J'avais laissé l'œuf chez mon papa. Je l'avais mis dans une pièce, mais bien gardé, dans un coffre. J'espère qu'il est encore là. Allez, je vais aller voir ça. Voilà, voilà. Mon petit œuf, il a grandi quand même. Il faut que je te trouve un nom. Comme tu seras un dinosaure, ben je vais t'appeler... Ben Rémi ressemble à un dinosaure, donc je vais t'appeler Mimi. Mimi, ouais, Mimi. Mimi, Miminator. Miminator, ça sera ton prénom. Ah là là. Maintenant, il faut qu'on retrouve Grincha. Il y a que lui qui peut accélérer la procédure et faire de sorte quand le dinosaure va arriver au monde, il sera directement grand, taille adulte. Ouais. Il y a que cette solution. Si j'ai pas ça, c'est la fin. Allez, on y va. La dernière fois que je l'ai vu, c'était dans cette école. C'est... Ah, cette vieille école. Des bons souvenirs. Waouh, ça a beaucoup changé depuis. Oh, il a pris feu. L'endroit est abandonné. Oh là 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 là. Ça fait un peu flipper.
lampe avec moi. On va essayer de retrouver Pipi Grecia. Ça donne la chair de poule. On va rentrer à l'intérieur. Je suis déjà rentrée une fois à l'intérieur, mais je n'étais pas seule. Là, c'est autre chose, hein. Oui, j'ai fait un cache-cache dans cette école. Et ça s'est pas passé comme je le voulais, hein. Ça y est, on est à l'intérieur. Oh, je parle pas trop fort, j'ai peur. Gracia ? Gracia ? C'est moi, Tom Escobar ? Je viens en paix. Est-ce qu'on peut discuter ? J'ai une proposition pour toi, s'il te plaît. Gracia ! Je sais que t'es là ! Allez, s'il te plaît, j'ai besoin de toi ! On risque de tous mourir ! Oh putain, le trou ! Oh. C'est incroyable. Quand je pense, on avait fait les 400 coups ici à l'époque. Il y a quelqu'un. Je t'attends ici. Gracia, je viens en paix. Je veux pas de. Je ne veux pas du mal. J'ai peur. Arrête. T'es où? Si tu veux, je peux te chanter ta chanson préférée. 1, 2, 3, 4. Gracia t'attrapera. 5, 6. Et te mangera. Non, on va éviter de chanter ça, hein. On fait des liens. C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce qui se passe? Je connais qui ont pris la confiance. Comment oses-tu venir ici? Et je ne te laisserai jamais t'échapper. Cette fois, tu es à moi. Non, Gracia, j'ai besoin de toi cette fois-ci. Je suis là en paix, je suis venu en paix, j'ai besoin de toi. Le monde est en danger. On va tous crever. Aide-moi. Ne commence pas à m'endormir avec tes sornettes. Tu es à moi. Et quoi que tu fasses, tu ne sortiras jamais d'ici. Tu seras toujours dans mes pattes. J'ai une solution pour régler ce problème. Et elle se tient juste dans ma main, froide et tranchante, juste comme il faut. Puis après, je prendrai un plaisir à te cuisiner. En sauce, je ferai de toi un festin, ne t'inquiète pas. Écoute-moi, Gracia, c'est important, l'heure est grave. Ça, y a pas de souci, on le fera plus tard. Y a pas de problème, Gracia. Agent X est de retour. Rappelle-toi, Agent X, lui qui t'a pourri la vie, lui qui a détruit toutes tes maisons, tout ça. C'était lui. Aujourd'hui, il menace de détruire tout sur son passage. Et j'ai une idée pour le vaincre, mais j'ai besoin de toi. S'il te plaît. Si vous mourrez, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Puis il ne te tuera jamais. C'est moi qui vais te manger. Il va tuer toute la population, t'auras plus rien à bouffer. Comment ça? Oui. Toute la population. Le monde entier, il veut le monde entier, il veut le monde. Et j'ai une solution, Gracia. À l'époque, j'ai volé un œuf de dinosaure à Caillou Perico. Et je me suis dit, tu pourrais lui donner la vie et même accélérer la procédure pour qu'il devienne grand directement. Et comme ça, on pourra vaincre Agent X avec ce dinosaure. Tu marques un point. J'ai besoin de toi, s'il te plaît. Le service envoie un autre. Tu sais comment ça marche? Je ferai tout ce que tu voudras. Mais aide-moi avant. C'est difficile tout de même. Dire que j'ai juste à mettre un tout petit coup derrière cette nuque. Allez, t'auras d'autres occasions de toute façon. Viens avec moi, Gracia, je vais te montrer l'œuf. Prépare-toi parce que c'est un truc de ouf. Et voici devant toi l'œuf du dinosaure. Il est magnifique. Ça me donne de l'inspiration, tu vois. Je sens qu'on va bien s'amuser. Non, mais Escobar et Gracia alliés. Tu dis que tu l'as trouvé sur une île.
Mais es-tu bien sûr qu'il n'y a rien de chimique ou autre à l'intérieur? Mais non, t'inquiète pas, c'est un œuf tranquille, voilà, il était bien gardé. Cela pourrait être désastreux. Je fais confiance, c'est toi le pro. Mais par contre, je reste un peu à distance, hein. Voyons voir ça d'un petit peu plus près. Effectivement, c'est un bel objet que nous avons là. Alors, je ne pense pas que sa composition soit tout à fait naturelle. Ouais, un peu comme ta gueule. Je sens la vie à l'intérieur. Oh, tu es quelque chose de spécial, toi. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de toi? Si je mettais en pratique ce que j'avais appris de mon dernier séjour, mon petit voyage que je me suis offert. Oh. Mais qu'est-ce qu'il faut? Nomisbus Spactobarabius. Mais tu fais quoi, Grugia? Mais t'as cru que c'était Harry Potter ou quoi, putain? Utilise tes potions! Tes potions magiques comme tu faisais à l'époque! Mais il est con! Il s'est vraiment cru pour Voldemort, le mec! Mon plus Adventis Chapolicius Doctissino Propter Catius et Libertas. Oh, je crois que ça marche! Ça fait quelque chose, Gacha! Perdera l'octogne des Stellatura di Fumere Maturo Affamaratura Ifara Capturatum Fanciuranturam Espectra Anoe Preciut Cibi Anteno Mece Eto Itir Spitus Santi. C'est normal, ce qui se passe, la Grugia. Mais qu'est-ce que... Ça tremble. C'est comme s'il y avait des radiations qui... Pouvoir résister très longtemps. Allez, Grugia! Ça va le faire. Oh, ça frappe trop là! On va s'écrouler! Non! Pense à la population, t'auras plus rien à manger! Tu peux le faire! Il faut que tu donnes la naissance à ce dinosaure! Ah, il faut courir! Mais qu'est-ce que tu me racontes, Grugia? Je dois faire quoi, là? Cours aussi vite que tu peux. Ok, je cours. Je cours. Pourquoi ça tombe toujours sur moi? Quand je pense, tout ça ne serait pas arrivé si j'aurais resté. Anna, tu m'entends? Allez, s'il te plaît, réveille-toi! J'ai besoin de toi, putain de merde! J'ai besoin de savoir ce qui se passe! Allez, s'il te plaît, tu peux le faire. Allez. Voilà! Oh, voilà! Ryan. Anna! Tom! Il faut qu'on trouve Tom au plus vite. Oui, justement, on va repartir. Est-ce qu'elle était avec toi à l'intérieur? Non, Ryan, écoute, il n'était pas à l'intérieur avec moi.
Il est quelque part en ville, il faut qu'on aille le chercher. Ok. Tu vas essayer de te relever doucement, ok? Ça va le faire, tranquille. On va s'en sortir. Tom avait raison, bordel. Toutes ces histoires de robots, elles sont réelles. On n'a plus beaucoup de temps, il va pas tarder à attaquer. Tom, il est en danger. Oui, c'est ce que je me disais, qu'il avait raison. Allez, tiens-moi l'épaule, voilà. Essaie de te relever. On l'a pas écouté, et maintenant, la vie du monde entier est en jeu. On doit intervenir. Je sais, Anna, mais ce n'est pas encore la fin. On va s'en sortir et on va le sauver. Oh putain, ça tire. On n'est plus seul. Ryan, bordel, dis-moi qu'on va s'en sortir. Ils sont armés. Il est limite imbattable. On doit s'arrêter. Stresse pas. Je suis là. Ça va aller. Non, ils sont pas imbattables. Ils ont un point faible. C'est l'eau et l'arme que j'ai avec moi. Les lasers. J'y vois rien dans cet endroit. Et où est-ce qu'on est? Comment tu t'es fourni cette arme? Et tu m'as trouvé où? On est là où tu m'as envoyé la pose, Anna. Dans une mine. Et je t'ai retrouvé dans un labo. T'étais à deux doigts de finir comme eux. En tas de ferraille. Mais bon, je suis arrivé juste à temps. Bon, attends. Ça tire. Je sens qu'ils sont pas très loin. Reste bien derrière moi. Reste derrière moi surtout. Éclaire-moi le chemin. N'en fais pas. Ryan, s'il te plaît, sois prudent. Bordel de merde! Ok, c'est reparti pour un tour. Anna, surtout, tu restes bien derrière, ok? Je vais les exterminer. On a les mêmes armes maintenant. C'est équilibré, ramenez-vous maintenant. Putain de merde, ils sont trop nombreux, ils sont partout. C'est l'attaque des zombies ou quoi? Faut qu'on bouge. Ils nous repèrent grâce à leur système de géolocalisation. Dès que tu en tues un, ils reçoivent un signal de position. T'as sûrement raison. Allez, on se tire. Ça y est, Elena. Nous y sommes. Tout en haut du sommet. Regardez-moi, c'est moins que rien. Ils ne se doutent pas de ce qui les attend. Une fois que j'aurai éliminé Tom Escobar, je lancerai la frappe. Buzz, j'ai tellement soif de pouvoir. Je sens déjà le monde s'offrir à nous. Encore un petit peu de patience, Elena. Notre invité spécial a l'air de se dégonfler, il me semble. Vous le voyez quelque part? Je ne l'aperçois même pas. Effectivement, je lui laisse encore 5 minutes. Si dans 5 minutes chrono il n'est pas là, je prends le total contrôle de la ville. Et on va régner, toi et moi. Cours, Anna, cours! Ils sont nombreux! Ils sont partout! Ah! Mais attention! Mais bordel de merde, ils sont combien? Il faut qu'on trouve une voiture! Vite! Allez, cours, tu peux le faire! Je lui ai déjà donné une leçon une fois, j'ai absorbé son intelligence. Cette fois-ci, je vais l'absorber lui entièrement. Bientôt, boss, tout ça, ce sera à nous. Qui pourra s'asseoir à ma table et dire qu'il est plus fort que moi actuellement? Là, une voiture! Allez, grimpe! Fonce, Ryan! Putain, c'est quoi cette voiture de merde? C'est pas grave, on va faire avec. Allez, accroche-toi bien, attache ta ceinture! Ça va chauffer! J'en tremble de plaisir, boss. Ça va être incroyable. Regardez qui daigne enfin nous faire office de présence. Tom Escobar! T'as vraiment cru que j'allais rater le rendez-vous? Ou plutôt, Iron X! Tu n'as pas trouvé mieux. J'ai peut-être pas trouvé mieux, mais n'oublie pas d'où tu viens. C'est moi ton créateur. Oh mon dieu, et si on n'arrivait pas à temps? Et si c'était pas le moment? Et si pas... Ah, mais t'es complètement fou! Fais attention! Ton heure a sonné, mon petit. Une fois, je t'ai laissé la vie sauve car t'as été mon créateur. Aujourd'hui, l'heure est venue de t'éliminer. Si mon heure, il a sonné! Oh.
grand-mère aussi, il a sonné à Jean X. Si je tombe, tu tomberas avec moi. Tu n'auras pas une seconde chance. J'ai pas besoin de ta seconde chance. À toi de me supplier de pas te tuer. Même si aujourd'hui je suis inférieur à toi, au moins je suis là et je vais tout donner. Je vais finir avec toi. Je te le promets, Jean X. J'avais confiance en toi. Tu vas me le payer. Ah, putain. Ils ont inondé la ville. Reste calme. Je sais que c'est pas le moment de te dire ça, mais il le faut. C'est le pire moment pour me demander de rester calme, là, Ryan. Oh mon Dieu. Il a niqué la voiture. Fais attention, s'il te plaît, mon Dieu. Allez, boss, montrez à cette vermine de quoi vous êtes capable. Laisse-moi te regarder de plus près. Je t'entends pas trop, là où je suis. Évitez de souffler dessus, boss. Il risque de se désintégrer. Regarde-toi. Comment oses-tu? Toi qui m'as créé, comment as-tu faire quelque chose aussi ignoble? J'ai tellement pitié en te regardant. Suis-moi. Là, là. Ah. Allez, grimpe. Démarre. Ryan, attention. Oh putain, fils de pute. T'as l'air tellement si faible. Ça, on verra sur le terrain. N'oublie pas que là, t'es en plastique, alors que moi, en vibranium. C'est bon, c'est réglé. Allez, retrouvons Tom. Direction la ville. Vibranium ou pas, c'est moi qui t'as créé. Et c'est moi qui va te détruire. Putain, pourquoi on l'a pas écouté? Moi qui pensais qu'il avait tellement d'imagination, Anna. Ok, mais Ryan, concentre-toi sur la route. C'est bon, je contrôle la situation. C'est tout ce que t'as dans le ventre, Mescoba. Allez, passe. Il faut qu'on en finisse une fois pour toutes. Il est où? Ouvre les yeux, Anna, dis-moi si tu vois quelque chose. J'essaye de me concentrer, je regarde partout. Mais je ne vois pas, Ryan, je ne vois pas. Bravo, t'as réussi à me faire bouger. Maintenant, à mon tour. Anna, je crois qu'on n'aura pas le choix. Regarde ce qu'il y a derrière. Oh mon Dieu, Ryan, ça sent pas bon du tout. Accroche-toi. T'es sûr qu'on a pas le choix? Oh mon Dieu, si, Ryan. J'ai pas le choix. Je suis même pas à 5% de mes capacités. Et regarde dans l'état que tu es déjà. C'est pas encore fini. Je t'ai laissé ta chance, mais tu l'as pas accepté. T'as voulu te remettre à travers mon chemin. Maintenant, tu vas mourir. Encore une fois, je n'ai pas besoin de ta chance, Agent X. Je peux peut-être pas atteindre, mais je peux atteindre quelqu'un à qui tu tiens vraiment. Ah, Elena. Ton armure t'a encore protégé. C'est vrai qu'il est efficace. Mais est-ce que tu seras toujours efficace sans ton armure? Je vais le détruire.
Regarde-toi. Sans ton armure, t'es rien. T'es personne, Tom. Je n'ai plus besoin de toi. Tu vas enfin disparaître. À l'époque, tu m'avais peut-être impressionné. Mais aujourd'hui, je te vois comme un simple gamin qui te manque de l'expérience. Ressaisis-toi, HX. N'oublie pas tout ce qu'on a traversé ensemble. Ça peut pas se terminer comme ça. C'est pas ça que j'ai voulu. Ah. J'ai préparé une arme esprit pour te tuer. Je l'ai conçue exprès pour toi. Pour être sûr que tu vas pas t'en sortir cette fois-ci. Ne t'inquiète pas pour ta famille. Ils vont tous bosser pour moi. Adieu, Tom Escobar. Qu'est-ce que c'est? T'as peut-être absorbé mon intelligence à l'époque. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais l'intelligence que j'ai eue, au fur et à mesure, en grandissant, tu l'as pas! Recule ou je tire! Recule ou je fais feu! Comment est-ce possible? Ce n'est pas possible! Ce n'est pas possible! Tu l'as pas cette intelligence! Tom! Arrête ce machin! Ne fais pas de conneries! On peut s'arranger! Mais dis-lui de rester à sa place! C'est pas trop tôt! Va-t'en! Agent X, je te présente Mimi Nator! On peut s'arranger! Tom, je te donnerai ce qu'il faut! Je te donnerai ce qu'il faut, je te rendrai tout le pouvoir! Mais dis-lui de partir! C'est pas à moi que tu dois dire ça, mais à lui! Mais je crois qu'il est trop grand et qu'il t'entend pas, hein! Non! Non, Tom! Là! Y'a quelque chose ici! Il est peut-être là! Vite! Suis-moi! S'il vous plaît! Vous avez pas vu un gamin? Il est petit! Oui, oui, j'en ai vu un! Il est avec les médecins! Oui. Mais faites attention! Merci! Allez, on y va! Vite, Anna! Oh. Allez, on y est presque! Je le sens! Il est pas loin! Je le vois! Oh putain! Il est là! Tom! Tom, c'est toi! Papa! Anastasia! Ah! Oh mon Dieu, tu vas bien! Regarde-moi! Oh mon bébé! Je suis désolée, tu ne t'as pas cru et on aurait dû te croire depuis le début. Je pensais plus jamais vous revoir, putain! J'ai failli mourir! Et vous aussi! Mais c'est pas grave! Agent X est mort maintenant! On a gagné! Oh mon bébé! Papa, t'es toujours là, t'étais pas parti!
Anastasia m'avait prévenu, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu ailles bien, là, actuellement. Putain, j'ai cru que t'étais... Non, non, papa, tout va bien pour moi. Et ça me fait plaisir de vous voir ici, tous les deux. Monsieur Johnson. Ouais. Ryan Johnson, c'est ça. Vous savez que vous êtes recherché, vous avez des primes sur votre tête. Ouais, je sais très bien. Et je sais très bien ce qui m'attend. Non. Ryan, non, pas maintenant, tu peux pas. Viens juste se retrouver tous et... Comment je vais faire sans toi, Ryan? Non, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, Anna, tu le sais très bien. L'essentiel, c'est que... Vous êtes tous les deux sauvés. Je te fais confiance dans tous les cas. Je vais m'occuper de tout. Non, papa, tu vas pas aller en prison, non! Écoute-moi, mon cœur, on va rentrer à la maison et on va recommencer comme avant. Je vais m'occuper de toi et tout va très bien se passer, d'accord? Ok. Anna, prends soin de Tom. Et Tom, prends soin d'Anastasia. Comme vous l'avez toujours fait. Je vous aime. Je vous aime. Tom, tu peux venir s'il te plaît? J'arrive, bébé! Ouh, t'es bonne aujourd'hui! Oh non. Non, commence pas avec ça. Non, c'est pas parce que papa n'est pas là, bah justement, que tu peux te permettre d'avoir de tels propos envers moi, ok? Je t'ai déjà dit de quelle façon tu devais me voir quand même. Oui, c'est ça, vas-y, parle bébé, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Bon, soit, j'ai pas envie de m'énerver aujourd'hui. Oh, je suis quand même un peu déçue parce que, je voulais pas être la seule à faire ça et vu les circonstances, j'ai pas trop le choix. Enfin bref, t'es sûr qu'elle est amoureuse de moi? Quelque chose d'assez important, un colis. Ah oui! Et on t'avait dit qu'au moment venu, on te dirait... On dirait vraiment ce qu'il en est. Oui, tout à fait. Bon, je crois que le secret a assez duré. De toute façon, tu savais que ton papa et moi, on avait quelque chose à t'annoncer en commun. Alors, je pense que t'as assez attendu et que c'est le moment de te présenter Léo. Hein, Léo? Comment ça, Léo? C'est un chien? Il est là, c'est ton petit frère. Et oui, Tom, t'es un grand frère maintenant. Coucou, grand frère! Quoi? Mais comment ça, j'ai un frère? Oh putain, c'est la merde! Bon, ben tu vas m'aider à libérer papa, ok? Pardon,